Avant la reprise de l'émission On en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On en veut toujours plus. Interview pour être plus proche. Pour être plus proche de Samantha. Alors, je te préviens, Samantha, nous allons faire une interview. Mais d'accord, reprécise que c'est les questions une interview écrite par Chimchon Nathalie que tout le monde comprendra, que personne ne comprend. D'accord. Alors, attention, c'est une interview gâteau. Tu es femme de pâtissier, c'est une interview gâteau. Oui, je t'ai dit, on allait être plus léger. Alors, tu vas me dire si ces gâteaux, ils existent ou ils n'existent pas. Quand je lis l'affiche de Chimchon, je rigole d'avance. Alors, est-ce que la sœur Ipane existe? Non. Non, c'est la frangipane, frangin, sœur. Bravo, Chimchon. Oui, toujours parce le qu'il y a même humour. Voilà. Oui, je viens de comprendre. Attention, est-ce que le. Alors, c'est imprononçable. Le Quingaman existe. Non. Oui, c'est un gâteau breton, le Quingaman. Alors, pour l'écrire, hein, pour vous, ça s'écrit Q-K-O-U-I-G-N, plus loin, Aman, comme les oreilles d'Aman. Peut-être ça vient de là, on ne sait pas, on demandera à Chimchon d'aller voir ça. Peut-être les Bretons ont connu Aman à l'époque, le Quingaman. Le Paris-Monaco? Non plus. Paris-Brest. C'est le Paris-Brest, bravo. Bah oui, je m'y connais tellement bien. Toi aussi, c'est ton gâteau préféré? Ah non, je m'y connais bien en gâteau. Le en général. Profitacteur. Non, c'est le... Profiterole. Bravo, oui, l'acteur, bon. Le rôle, bravo. Le financier? Oui. Bravo. L'orage? Non. C'est l'éclair, voilà. Ravi Shai, on a passé une bonne émission. Et on bon se retrouve, prochain. Si je veux, pour la prochaine. Je voulais remercier toute l'équipe d'AZ Prod, Nathan Azoulay pour les moyens techniques, Anatel et Liron pour la chaîne Israël Torah. Je remercie aussi pour la diffusion des choses que je n'arrive pas à lire, parce que c'est écrit par Chimchon. Et je remercie Samantha. Déjà, je remercie Samantha. Nathan. Corinne Cohen, qui parle beaucoup pour rien dire. Oui. José Bloublil, notre chroniqueur. Notre petite nouvelle qui est venue nous voir juste cette fois-ci, je ne pense pas qu'elle reviendra, c'est Shirley. Non, je rigole, je rigole. C'est notre la bienvenue. Petite jeune nouvelle. Ouais, jeune nouvelle qui rafraîchit un peu ce plateau. Qui merci Shirley d'être venue. Je remercie le Ravi Shai. Ben, je ne vais pas le remercier. Je crois que tout le monde le remercie. Parce que toute cette émission est basée autour de Ravi Shai, puisqu'on est sur Israël Torah, la chaîne de la Torah. C'est autour de la Torah, non? Oui, c'est autour de la Torah, bien voilà. Sûr. Et donc autour de toi, puisque tu es notre Torah, Ravi Shai. Merci Chimchon Nathalie pour nous faire ces interviews que personne ne comprend. Mais c'est sympathique. Et ces petits mots. Merci Fabrice. Retrouvez-nous. Fabrice, tu peux la chaîne. Merci beaucoup. La chaîne 260 de Anatel, Israël Torah, que vous pouvez regarder directement dans le monde entier sur anatel.plus sans être client d'Anatel, mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas encore client d'Anatel. Appelez-nous, on va s'arranger pour que vous le deveniez. Vous retrouvez-nous sur Facebook et sur YouTube. À la prochaine, merci beaucoup et à bientôt.